Vous l'aurez compris les vermines, c'est reparti pour une nouvelle pyjama party avec ma copine Foufou. Salut les gars. Comment vas-tu? Vous l'aurez compris, c'est donc l'acte 2 de la redécoration de mes chiottes. On avait commencé à poser des étalons sur les murs, on n'a pas fini l'autre fois. Un tire-bouchon des mecs à poil ras le cul de ces soirées pyjama. Ah bah écoute, c'est les soirées de GG. Ah super. Des soirées décadentes et usantes. Est-ce que tu es prête à élire encore, dans tous les calendriers qui traînent par terre, les mecs les plus sexy? Ah oui, on va les accrocher, bien comme il faut et tout. Bien entendu, je ne peux m'empêcher de penser à Sofiane Guitoun, celui, ma foi, qui a fait chavirer mon cœur. On adore. Et pas que, hein. Je m'en lasse, mais toujours pas. Tu peux pas traîner aux toilettes comme ça, juste pour... Ah oh, si, j'adore mes chiottes. Quoi. Franchement, ce mur... Là, les vermines. Ah, même. Je vois surtout qu'il reste de la place sur ton mur. Bah, on va devoir redécorer. Ouais, il y a encore tout ça, là. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Et ta combinaison pour dormir? D'habitude, on n'est pas du tout dans ces tenues. Ah oui, nos pyjamas. Il y a tous ces posters là qu'on a pas triés. J'en profite, je vais aller chercher des ciseaux. Je vais ranger ces calendriers pour vous parler des Jérémy Starlet. Restez connectés, la déco va prendre un sacré tournant. Alors restez connectés parce qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements dans ces chiottes. Et ce sera pas du poster, je vous le dis. Oh non, tu vas pas me faire coudre, me refoutre un pyjama trop moche. Si, regarde. Oh non, on peut pas rester habillé comme on est. Hop. Ah. Alors, il y en a plein, hein. J'ai des nouveaux modèles. C'est vrai? Ah, c'est génial. Donc, tu vas choisir le tien. Super, je suis ravie. Voilà, t'as l'embarras du choix. Il y a peut-être les 15 pyjamas. Donc, c'est parti. Une pyjama réussie, c'est un pyjama bien choisi. Voici le pyjama pour lequel j'ai opté pour cette pyjama party. Je hurle. Elle est chatounette. Ah, toi, t'as pris Bob l'éponge. Non mais c'est une blague, les pantoufles. Alerte, alerte, il n'y a plus de respect. Alors pour ton information, c'est le pyjama que Mélanie Dacruz avait mis. Je sais pas qui c'est donc... Mais si, la compagne d'Anthony Martial. Les anges, Secret Story, tout ça. Quoi, tu connais pas Mélanie Dacruz? Pardon, excuse-moi, je ne regarde pas les anges. Ouais mais quand même. J'ai à peine Mélanie Shopping hein. Femme de footballeur frère. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que c'est une tenue très près du corps. Mais c'est bon, là. Heureusement que personne nous voit. Ah bah si, 1 million de personnes. Oh là 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 là. Non mais arrête, je suis en Bob l'éponge et arrête de filmer mon cul. Non mais ce qui est bien, c'est que pour les femmes, ma foi, qui sont pulpeuses... Non mais arrête. Ça fait ressortir, hein. Non mais arrête. T'as le boule qui chamboule. Stop. T'es assez fraîche, hein, je dois bien le reconnaître. Tu assumes ou pas cette tenue? Pas vraiment, j'aurais montré ça à personne, donc sur ton snap, non. Oh ça va. C'est horrible. Non franchement elle est jolie. Reparti. Vos chiottes, vous avez besoin d'une paire de ciseaux et de la pâte à fixe. Mais ils sont tous moches, non, ceux-là. Regardez pas mal. Ne leur coupe pas la tête, Jérém. Ah bah non, ça risque pas. Voilà. Mais t'es hyper concentré, t'es à fond là. Il y a quoi d'autre, attends. Alors ça, je suis pas trop fan, c'est à mon avis bien trop habillé. Donc c'est simple, quand il y a trop de vêtements, on s'en débarrasse, on en a pas besoin. T'en penses quoi de celui-là? Ah non, il est horrible, non non. Horrible? Franchement, il y a mieux. Faut pas... Sofiane, président. Faut pas exagérer. Quand même loin d'être horrible, hein.
Franchement. Il y a du choix, quoi. Mais toi, c'est toujours pareil. On te donne du pain, tu veux du boudin. Je jure. Quoi ? 3 pour le prix d'un, quoi. Oh, je jure. J'adore. 3 sur la même photo. Vous ouais. êtes dead, les guys. Alerte, alerte. Je viens de recevoir des messages de Julien Berthe à ton sujet. J'imagine que tu vois qui c'est. Savoir quand même que Julien Berthe, bon voilà, c'est un candidat de télé-réalité oublié, mais en tout cas, il a pas oublié d'être excité puisque ta petite tenue l'a tout excité. Je viens de recevoir un message où il dit « Oh là là, la Bob l'éponge, j'aimerais bien qu'elle me frotte les bijoux de famille. » Voilà. Voilà la preuve que je n'invente rien, hein. Voilà, il a bien écrit ça. J'aimerais bien que cette Bob l'éponge-là me frotte les bijoux de famille, je hurle. Petite réponse peut-être à Julien Berthe. Bah, les filles, plus il y a la peine de mettre des robes de soirée, quoi. Pyjama, comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en 2017, plus t'es dégueulasse. Bien. Plus t'es dégueulasse, plus tu plais. C'est un message pour moi, peut-être. Non, c'est une constat général. J'ai... J'ai l'impression que t'as un peu chaud, tu serais pas en train de perdre ton pyjama? Oh bah c'est volontaire, ça donne sacrément chaud ces gousses d'ail. Oh, plus des pyjamas sans déconner. Allez hop là. Alors on va donc positionner les posters sur les murs. Tu sais ce que j'aime chez toi? Quoi? Comme chez toutes mes copines, c'est que t'es un bon accessoire à PD. Ah bah merci. T'es un peu le sac à main contre un balancier. Le sac à main, ouais, qu'on trimballe en soirée, tu vois. L'accessoire ouais. à PD, quoi. Oui, oui. On adore. Tout ça, quoi. Bon, allez, prends le tabouret, on va positionner les posters. Allez, hop, c'est reparti pour un nouveau tour. Ah, ah. Putain, c'est dur, hein. Ah, ah. Putain, c'est dur à coller, je te jure, je me tue le dos, là. Oh. Ah. De rien, on avance bien ce mur, hein. On l'aura peut-être fini en 2018. Ah putain. Ah voilà. Putain, j'ai chaud. Ah hop là. Hop. 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 Ah, je suis en train de coller plein d'autres mecs, mais franchement, il n'y a pas à dire, hein. Ça reste quand même très difficile de rivaliser autour de Sofiane. Hein. Personne ne se démarque. Il y en a quand même deux que tu préfères, Jérém. Bah, alors celui-là, là-haut, pas mal du tout, je le trouve sexe, le corps et tout. Ouais. Mais sinon, non. Non, mais j'en peux plus, il sort plus du tout de sa chambre. Mais non, mais je suis en train de trier, parce que le problème, c'est ça fait des heures, on peut plus rien faire. Il y a des mecs beaux, mais il y a quand même beaucoup de laiderons, donc c'est compliqué. Bon, ça, c'est comme les crevettes, hein, on arrache la tête, on suce la queue. Ça, ok. Il en manque plus beaucoup, ça, il en faut une dizaine, je pense, et c'est bon, les murs sont recouverts. Oh là là, le bonheur, les vermines! J'aurais jamais dormi avec autant de mecs dans mon lit! On adore! Plup, 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 plup! Il m'épuise! Alors là, il est dans la chambre, il faudra que tu sois discret. Tu as suivi mes instructions, on t'attend. Jérém Starlet, si vous saviez ce que j'ai préparé, il est loin de s'imaginer qu'il va coller plus qu'une affiche dans ses toilettes. La surprise va être de taille, mais vraiment de taille. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais non, stop, putain, c'est encore des conneries là. C'est fou. On a plein d'affiches à coller, le mur il va pas se faire tout seul, donc tu retournes dans la chambre, tu vois ce qu'il y a à coller, d'accord, ok, tu verras. Vous vous rappelez de Sylvain Potter, les Jérém Starlet? Souvenez-vous, il est là-haut. Vous êtes sûr? Vous vous rappelez toujours pas? Eh bien les vermines, dans ce toilette, je viens de placer un élément de décoration. Mieux qu'un poster, on va adorer. Bon ben voilà, foufou, j'en ai sélectionné 6. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt pas mal, vous allez adorer. Ah, c'est quoi ce truc? Mais c'est une blague, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non mais... C'est une blague, mais qu'est-ce qu'il fait dans mes toilettes? Je suis bien là. Mais c'est qui ce mec? Oh non mais je... Bonsoir. Mais alors là, il y a un gros problème, il y a des gens qui... chez moi alors que je suis même pas au courant. Bah c'est un des dieux du stade, c'est un des posters. Mais tu le connais d'où? En 3D on l'a mis ton poster. Non, mais attends, mais c'est Sylvain Potard. C'est quoi ce délire? Bah rappelle-toi la dernière fois, Sylvain Potard nous avait envoyé un snap, on l'a ouvert et... Oh, on adore. Tiens, pousse ton épaule, on voit pas sa flûte. Une blague?
Mais qu'est-ce qu'il fout là? Comment il a mon adresse? J'ai tout organisé dans ton dos, Jérém. Le lendemain de la Saint-Valentin, je voulais pas me laisser faire, suis tailleur et pelux. J'ai eu super peur en rentrant. Je me suis dit, je me suis fait cambrioler, il y a un mec qui est là. Mais t'aimes pas ta surprise? Tu veux pas déballer le cadeau? Oh putain, le corps! C'est le plombier. I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Mais c'est un truc de malade ma vie en ce moment. Alors il y en a qui peuvent penser que ça a été planifié ou je sais pas quoi, mais il se passe des trucs de folie dans ma vie, je suis même pas au courant. C'est juste un truc de malade. Mais il vient. Comment t'as fait? Bah je pensais que ça me ferait plaisir. Ah bah oui! Ah bah c'est sûr que ça me fait plaisir, oui. Mais n'importe quoi, mes toilettes se transforment en bésodrome. Mais pas du tout, on voit juste des affiches. Juste des affiches. Mais je m'attendais à tout sauf à avoir un mec en vrai dans mes toilettes, quoi. Un dieu du scog sur ma cuvette de chien. Par contre, là, tu vas peut-être changer de place, toi, merci. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites là, jeune homme? Bah écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ah bah t'as bien fait de rentrer. J'ai beaucoup de toilettes. Tu ferais bien de rentrer plus souvent. Et là, c'est juste un truc de... Donc c'est toi qui es en haut des chiottes, sur la photo là-haut. C'est bien moi, là. Oh non, mais je hurle les vermines, ici. Sylvain Potard. Et là-haut... Je suis plombier aussi. Ah, apparemment, il est plombier également. Ouais. C'est-à-dire que tu répares les tuyauteries. Apparemment, t'as une chute d'eau, non? Ah oui. À quel niveau, du moins? Oh, partout. Et franchement, les vermines, mais c'est une blague. Moi, je propose vraiment le nouveau concept des photos dans mes toilettes pour le prochain calendrier. Papa, biceps, oh là là, on adore. Oups, j'ai peut-être fait un trop gros plan sans m'en rendre compte. Mais c'est un truc de malade. Mais ça vit dans quel pays, ça? Oh my god, alors là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, merci beaucoup. C'est pas mon anniversaire. Mais là, c'est Noël, la Saint-Valentin, c'est toi. Je voudrais juste toucher quelque chose, moi, pour voir si c'est du vrai ou si c'est encore de la chirurgie. Ouais, c'est du vrai. Oh là là, on adore, c'est dur comme un chibre. En fait, je suis en train de me souvenir. Mais Sylvain, c'est. Ah oui, c'est toi qui avais envoyé les snaps. Ouais, c'est bien moi, tu te rappelles? Oui, je me rappelle, on était en train de poser les photos et t'avais envoyé des snaps en disant c'est moi sur le mur. Mais en fait, je comprends. Mais je te jure, je comprends pas. Déjà hier, Pollux m'a fait une surprise. Là, ma copine Foufou me fait une surprise. Mais comment t'as eu mon adresse? Bah écoute, tout ce. Ah, mais c'est une blague! Bah non, en fait, avec la miss, on a tout organisé. Et voilà. Quoi? T'as baisé ma copine? Non, 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 quand même pas. Attention, hein! Vous avez couché ensemble dans mon dos? Non, je dois faire Bob l'éponge pour Julien Bert. Rappelle-toi. Ah oui, on avait oublié Julien Bert. Ton cœur est pris. Tu sais, c'est hyper. Non, mais là, j'en reviens pas. Excusez-moi les vermines, je suis en chaleur. Je suis en train de repenser à un truc, Sylvain. C'est Sylvain, c'est ça? Ouais. Je suis en train de penser à un truc. C'était donc toi qui avais fait scandale il y a quelques années. Morandini avait fait des articles. T'étais le premier des dieux du stade à montrer ton sexe. C'est ça, c'est bien. Oh non, mais je meurs! Je me souviens à l'époque, ça avait fait scandale! L'arrosoir, on m'appelle. Oh, oh oui, Vermine, arrose-nous, on a chaud! Mais le caleçon là, c'est peut-être un peu trop, non? Ah, il est tout encore là, non? Bah, moi, si j'étais toi, je l'enlèverais. Là, 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 là.
Oh non, mais le choc! Mon Dieu, ces tablettes, les vermines, c'est bientôt Pâques! Et en fait, moi, je comprends pas, tu fais du rugby? Mais non, je fais du mix martial art. Pardon? Ou mon cage. C'est quoi ça? Donc, si tu veux venir un jour tester, je suis tellement bienvenue. Ah bah pourquoi pas, hein? C'est quoi? Ah oui, du MMA! C'est ça. Zéro tracas, zéro blabla, MMA! Ta gueule! Oh, j'ai hurlé! Tu veux que tu kiffes Sofiane Guitoun là? Ah bah ah oui, il est juste là, regarde, pas loin de ton poignet. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il vienne dans mes toilettes aussi, hein. Chérie. Ouais, franchement. Ah mais c'est un truc de malade ce corps, il ça représente combien de temps d'entraînement ça? Il est 100% naturel. Ah par contre la vermine a des petits poils blancs. Ah ouais, ça commence. Chérie. Cicatrice, c'est quoi? Ça c'est une petite Ah, l'appendicite. Ouais. Crise grosse... de diarrhée, constipation. Ouais, une grosse appendicite. Hein. En tout cas, tu peux remercier la Miss Bob l'éponge. Hein. Ah, Bob l'éponge. Tout organisé et franchement. Et n'en profite pas, furoncle. C'est vraiment une nuit en or. Ah bah. On devrait tous en avoir une comme ça. Ah mais c'est clair. Ah, bah, je suis là. Oh, arrête. Je sais pas si c'est un concours de circonstances, mais j'ai extrêmement chaud. Tout à coup. Par contre, attention, on ne divulgue pas mon adresse. Hein. T'es un privilégié, une amie t'a fait venir. Mais je compte sur ta discrétion. Tion. En tout cas, un grand merci à mon ami fou. Juste un truc de malade qui est en train de se produire, je... Aïe! Alors, je suis pas dans un rêve. Pas du tout, mais c'est un truc de malade, mes yeux. Mais vous êtes tarés. Bah. Alors, pour la ça suite, se rapproche dangereusement, là. Si vous êtes sur ce mur et vous souhaitez venir en 3D, n'hésitez pas à me contacter. Oh non, j'en peux plus de ces crevardes. Mais non, alors là, certainement pas. Bon, remarque, oui, c'est vrai que si vous êtes sur ce mur, comme Sofiane Guitoun ou quoi... Ouais, n'hésitez pas à venir, les toilettes de Jerem Star, the place to be, meilleur qu'un plateau télé. Mais n'en profitez pas pour déraper avec Bob l'éponge, de toute façon, elle est lesbienne. Oh non, mais je préfère, non mais je préfère casser le délire. Allez, sors d'ici! Putain, mais c'est infernal! Mais à la base, il a été invité pour moi, bah pour toi! Inspection de l'anatomie! Oh mon dieu, mais c'est dingue! On peut pas la rater celle-là! Ah non, on peut pas la rater, hein! J'ai rire! Ah, mais c'est un vrai gâteau d'anniversaire pour 8! Ah non, pour moi tout seul! Ah non, désolé! Tu sais que c'est bientôt mon anniversaire, il va falloir que je souffle une bougie! Mais le mec sans pression, quoi, debout sur ma cuvette de chiottes! Alors, bah écoute, ce que je te propose, Vermine! Je regarde un petit peu le... les concurrents! Ouais. Quoi justement de tes concurrents, Vermine? Bah écoute, c'est pas mal, ça manque un peu de dos, un peu de fesses. Ah bah ouais, mais bon, ils font comme ils peuvent, hein. Ouais. Du coup, il va falloir immortaliser ce moment, c'est-à-dire que tu es entré dans mes toilettes une fois. Ouais. Malheureusement que dans mes toilettes. Il va falloir donc, ma foi, te mettre au mur. Il va falloir te mettre sur le mur. Bah est-ce que t'as un feutre pour que je dédicace ton joli mur? Ah oui, j'avais pas pensé à ça, moi. Ouais. Un feutre, oui, j'en ai un, juste là. Tiens, fais-en bon usage, hein. Ok, mon chou. Ah non, mais je hurle. Oh non, dédicace en direct de mes toilettes, je hurle. Ah ouais, ça rigole plus. Séance de dédicace à domicile, c'est encore mieux que Star à domicile à l'époque. On espère que c'est le premier d'une longue série. Ah, merci beaucoup. Si vous connaissez sur ce mur, n'hésitez pas. Non, mais merci beaucoup, hein. je suis un peu embêté. Attends, bouge pas, je t'enferme pour pas te perdre. Question qui sort! Allez, laisse-le rentrer chez lui, laisse-le partir. Non. Mais tu regardes, un truc comme ça se fait au congélateur, hein. Tu coupes le chip, tu le congèles, tu le bouffes. Plus loin. Oh là 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 là, les vermines, cette odeur est imprégnée dans la porte. Une chose est sûre, moi j'ai envie d'avoir la chiasse tous les jours pour aller dans mes chiottes le plus souvent possible. Écoute, ça tombe bien, j'ai un gros rouleau de scotch, les vermines, je vais tenter de scotcher, de plastifier ce jeune homme sur mon mur. Ah, Vermine! Oh, ça passe! Alors, on adore! Alors! Alors! Papa, papa, papa! Oh mon dieu, c'est la cage au sol! Hop! C'est résistant ce truc! Bouge pas, c'est juste pour aller avec la décoration pour que tu fasses quoi de chaud! Hop! Regardez, je suis excitée comme une puce, je suis en chaleur. Alors, mais je vous vois que cette main. Au score. Non mais t'as peur de quoi, ça fait... Hop. Au sur le lavabo. Tac.
Ah non, mais je hurle les vermines, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a envie de rester dans mes toilettes, hein. Mais c'est pas fini. Va bien, Sylvain? Ah ben là, je suis emprisonné, je peux plus partir. Ah ben ça tombe bien, c'était le but. Non mais je hurle. Voilà les vermines, un vrai dieu du stade scotché sur mon mur. C'est bizarre, tu vas pas scotcher la bouche. Ah bah encore heureux, vermine, faut bien qu'on en profite. Je hurle. Oh là là, on adore. On dirait une scène de crime. Eh ben voilà, mes toilettes sont bien redécorées. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est ce scotch, ma foi, tient très bien. Je suis mais ravi. Ça va, t'es pas trop mal à l'aise? Bah, je peux plus bouger. Et pourquoi t'as gardé ce caleçon vert couleur pistache? Bah, il est beau, non? Bah, moi, si j'étais toi, je l'enlèverais, hein. Ah. Oh, non, mais je meurs. Allez, allez. Ça colle, à chaque fois, en plus. Oh, j'ai eu l'épilation fournie par Jérém Star offerte à domicile. Oh, arrête un peu. Ah, la porte se ferme. Arrête un peu ton cinéma. Je peux pas. Oh, non, mais je hurle. Bah, écoute, je suis ravi. Merci. En organisant avec la copine là, que j'aurais été scotché, j'aurais jamais fait ça. Ah bah ouais, mais bon, avec Jérém Star, tout est imprévisible. Ah, je vois ça. Voilà, tu veux que je te rescotche? Oh ah. Non mais celle-là, elle perd pas une minute, hein. Ah, ah bah voilà, y a plus rien. Très bien. Ah. Moi, j'adore cette scène dans mon salon. C'est. Je vois que ce jeune homme a pris possession sur mon canapé. René la taupe. Ah non, c'est une crotte. Ah. Du coup, tu fais quoi? Tu restes dormir ici? Bah écoute, je sais pas, y a une place ou pas Bah évidemment, attends, on va te donner un pyjama pour la pyjama partie. Bon bah allez, c'est parti. Allez, allez. Oh, il y a encore du scotch sous les pieds. Alors ça, c'est le petit short que Manon Marceau avait porté pendant ma pyjama partie. Tu crois que ça va m'aller ça? Ah, je sais pas, mais si tu voyais la meuf, tu kifferais, je pense. Voilà, les pompons devant. Oh là là, on adore. Si tu veux faire des soirées avec nous, t'es obligé. Allez. Et tu as aussi la petite veste. Hein, oui, et on va te mettre une petite chanson après pour une chorégraphie. Va l'aider à s'habiller. Oh, on adore. Mais si. Je remets tout ça. Oh écoute, je prends l'air, il fait une chaleur à Paris. Oh ouais, c'est la canicule. Oh ouais, c'est la canicule. Oui, oui, non, mais c'est la température. Tu sais, dans nos soirées pyjama, Sylvain, on a des rituels comme ça avec Jérém. On se fait des masques de beauté. Ouais. Je sais pas si tu seras encore aussi excitant que ça pour son public. Ah ouais, le masque, on te met au défi du masque. Moi qui allais proposer qu'on fasse des masques de beauté. Je vous dérange, les garçons, là, ça va? Quoi? Un petit peu, oui. Non, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là? On discute. On discute. Eh oui, Sylvain, tu ne vas pas échapper au traditionnel masque des pyjama parties de Jérém Star. Pourquoi? Assistante, installez-lui son masque. Non, mais j'ai hurle. Ah ouais, c'est tout de suite beaucoup moins glamour, hein. Ça commence comme faut ça. Faut que tu mettes les yeux dans les trous. Ah, parce que là, je vois rien du tout. Oh là là, on adore. Bah, tu niques ma réputation, là. Mais non. T'inquiète pas, s'en occuper, là. Ouais. Là, tu vas avoir une super peau. Oh la tête, je hurle. Bah non. T'es plutôt pas mal. Hein? Ça fait un beau teint? Ouais. Bon bah. J'adore. Heureusement qu'il y a encore le corps, hein.
Parce que là, on dirait Vivian de Secret Story, c'est moyennement plaisant. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des sacrées gueules de cons comme ça. Hein. On va parler pour vous, les gars. Hein. T'es content de ta soirée ou pas, Sylvain? Bah écoute, je finis avec un masque quand même. Fait sacrément flipper en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour cette venue inattendue. Bah merci à Food Truck hein, surtout. Food Truck, c'est son nouveau surnom, Food Truck. C'est pas très sympa ça comme surnom, Food Truck. Food Truck. C'est vrai. Food Truck, pas ouais. Food Truck. Ah merde, excuse-moi. En gros, tu ressembles à un camion citerne. Ou un camion qui livre de la bouffe, je sais pas si c'est bien flatteur, mais ça sera ton nouveau surnom, Food Truck. Pourquoi pas. On adore. Alias Bob l'éponge. Qui va te frotter autre chose que le dos. Donc merci beaucoup Sylvain, et puis j'ai envie de te dire à très vite. Eh ben à très vite, et puis j'espère te voir bientôt dans une cage avec moi. Oh, comment ça? Ah oui, une cage. Ah oui, par rapport à ton sport là. Exactement. Le MMA. C'est ça. Donc je vais être initié? Ouais, je vais te faire une petite initiation. On adore. Bah ouais, hein, pourquoi pas. Hein. Et je t'invite aussi à ma pièce de théâtre, Bonjour Ivresse, du mardi au samedi. À Paris? À Paris. Très bien, je serai là pour te voir nu. Quelle belle soirée! Un mec dans mes toilettes, une initiation en cage et une pièce de théâtre. Putain, mais c'est encore mieux que Noël! Il aurait pu rester dormir, hein, quand même. Il va rester dormir. Bah, ça dépend, peut-être qu'il a des choses à faire, non? Je sais pas. Ah. Je propose. Oh, il y a toujours de la place, on est très accueillants, nous. Jérém, voilà pour un petit souvenir en pensant à moi. C'est quoi? Oh, on adore la serviette de bain, dieu du stade! Oh, ma. Merci beaucoup. Quand tu t'essuieras, tu penseras à moi. Ouais, je penserai à toi. C'est clair. Je hurle. Cette soirée, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai les yeux pleins d'étoiles, pleins de cœur. Oh, je vais en devenir aveugle. Je voulais remercier mon ami Food Truck. Nouveau surnom. Food Truck. Non, Food Truck. Tu dis tout de suite Food Truck. Non, on adore Food Truck. Tu vois, t'avais un surnom pas très original. Grâce à Sylvain Potard, nous avons le surnom qui déchire tout, Food Truck. Merci Sylvain. Vraiment, merci du fond du cœur à mon ami Food Truck. Je dois quand même reconnaître que j'ai des amis en or, une vie palpitante, pleine de surprises, et je suis encore sur le cul en fait de ce qui vient de se passer, je me dis que je suis en train de dormir, de rêver, mais non, j'ai bien vu tout ça. À mon avis, tes Jérém Starlet ne vont plus jamais dormir. Putain, Jérém Star responsable de l'échec scolaire. Bah, je suis super contente, tu m'as surprise, t'es plus. J'avais vraiment peur d'inviter quelqu'un, quoi. Comment que tu ça vois en vrai et tout. Bah, ouais, c'est clair que là. C'est clair que c'était réussi cette surprise. Par contre, moi, y a pas que ces musclins que j'ai vus, hein. Je sais pas vous, les Jérém Starlet, mais. Ouais, je pense qu'on a tous vu la même chose. Mais le truc, c'est que ces pyjama parties, c'est de mieux en mieux. Enfin, comment on va faire la prochaine fois pour que ça soit encore mieux? Ça va aller de plus en plus loin, nos pyjama parties. Ouais. On voit pas ce qui t'a choqué, on est en pyjama, on a fait des masques de beauté. Ah non, tout va bien. Tout est normal. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Sinon, en attendant, hein, désolé, je t'ai enlevé ton filtre bleu, donc du coup, bah... Oh, c'est pas grave, hein, les gens de comprennent. Vu l'heure tardive, qu'on soit moche, c'est la normalité. C'est vrai qu'il commence à se faire tard, mais c'est quand même moins tard que la semaine dernière, où on avait fait cette pyjama party. Ah oui, la dernière fois, on s'est couché à 4h du mat, un truc comme ça. Voilà, donc on est raisonnable ce soir. En attendant, mes toilettes ne sont toujours pas terminées. Non, on n'a pas fait tous les murs encore. Ça va nous prendre combien de temps encore? Je sature. Alors, il y a du scotch sur les murs, ouais, qu'il va falloir que j'enlève. Mais ouais, c'est pas encore terminé, hein, ouais. Il y a encore tout ce mur-là, celui-là, au-dessus de la porte. Oh là là, nous sommes mais débordés. Bref, les vermines, moi, j'allais me coucher avec plein d'émotions en moi. À très vite. Pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à réagir sur Twitter, comme vous le savez, les snaps ça se commande sur Twitter, je lis tous les messages et je pense que ce soir c'était vraiment hashtag fracture de la rétine. Oh putain de merde.